Vous vous rendez compte? Nous sommes déjà arrivés au milieu de notre aventure. Voilà qu'il ne restera plus que 2 épisodes après celui-ci pour que notre cher Hippolyte Lemaire puisse trouver l'amour. Va-t-il réussir? Et vous, quel candidat est votre favori? Le soleil s'est levé sur la villa de la Mûre. Certains prennent le petit déjeuner, tandis que d'autres se préparent. On dirait que personne ne semble avoir remarqué que Paul est découché la nuit dernière. En effet, le soir d'avant, il avait gagné la dette privée avec Hippolyte Lemaire. À défaut d'avoir bien monté les talons que la production lui avait prêtés, eh bien, il a monté quelqu'un d'autre à plusieurs reprises, si vous voyez ce que je veux dire. Pendant que les deux tourtereaux se font les yeux doux, une autre se prépare à quitter la villa de la Mûre. Malheureusement, la semaine dernière, Apolline a trahi Hippolyte en tombant dans les bras du bel Eric, qui était venu semer le trouble. Elle qui avait voué fidélité au bourreau n'a pas tenu sa promesse, ce qui vous a apparemment touché, cher public, car vous avez décidé de ne pas la sauver. Elle profitera de ses derniers moments avec son complice de l'aventure, Paul, avec qui elle a eu les plus épiques tournois de beer pong. Jessica profitera que d'autres vaquent à leurs occupations pour aller faire du rentre-dedans à Hippolyte Lemaire. Cela fait bien des épisodes que la belle se fait plus discrète, mais est-ce que c'était pour mettre en place une stratégie infaillible? Seul le temps nous le dira. Cependant, Paul n'est pas dupe. On ne volera pas son Hippolyte sans qu'il ne le remarque. Le beau se sent pousser des ailes après être le premier à avoir craquouillé avec l'Apollon de la saison. Mais attention à ne pas se les brûler. Hippolyte déplorera ce manque de fair play et n'hésitera pas à le lui faire remarquer. Tout le monde a le droit de venir lui faire la cour et ce n'est pas les prétendants qui vont faire la loi ici. C'est sa villa. Ouh là 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 là, le rouquin serait-il enfin pris au jeu? On espère que cette altercation négative n'impactera pas leur relation. Pas le temps de se calmer car il est l'heure pour Apolline de faire ses adieux. Dommage pour la belle qui sera en face à face avec un Hippolyte survolté qui lui remettra sur le dos sa trahison de la semaine dernière. Oh mon Dieu, mutez ces horribles paroles! On est une émission family friendly en fait. Malheureusement, la belle n'arrivera pas à calmer son beau. Elle arrivera tout du même à lui soutirer un dernier baiser avant de s'éclipser de la villa de la Mûre. Allez, ne t'en fais pas, Apolline. Tu mérites mieux. Depuis le départ d'Apolline, la tension ne s'est pas réduite dans la villa de la Mûre. La compétition se resserre et les coups bas se préparent. La production se disait bien que c'était étrange qu'aucune jalousie ne règne dans la villa de la Mûre. Et la jalousie, il va en avoir encore plus, car il est l'heure de notre épreuve de l'épisode. Les candidats ont y été préparés lors de l'épisode 2 de notre émission. La production tient à noter qu'ils sont tous au même niveau de besoin. Le but, celui qui restera le plus longtemps à danser sur le dance floor remportera une date exceptionnelle avec Hippolyte Lemaire, tandis que les deux premiers à s'arrêter se verront nominés d'office. Alors, qui des quatre va tout donner sur le dance floor et remporter la date ultime? Qui seront les deux qui verront leur place en demi-finale compromise? 3, 2, 1, c'est parti! En tant que fêtard, Paul est celui qui devrait avoir le plus de facilité dans cette épreuve. Mais on dirait que le cœur n'y est pas aujourd'hui. Oh mon Didier! Ce fut rapide, mais Jessica Zino a directement abandonné. Ma belle, sorry pour toi, mais tu te retrouves nominée pour la première fois. Ça continue pour les autres et on dirait que la vampire essaie de déstabiliser ses adversaires. Oui, peut-être que Lorine a moins de besoin que ses amis, mais la production ne lui a pas donné de sang depuis un sacré moment. Qui fait le malin tombe dans le ravin, Lorine, donc fais attention à toi. Les heures passent et la fatigue se fait ressentir, mais personne ne lâche quoi que ce soit. Allez, on tient! Oh mon Didier, je suis choquée. Paul s'est arrêté de danser.
Nous avons donc nos deux nominés de la semaine. Vous pouvez dès maintenant aller dans mon commentaire épinglé et voter pour quel candidat vous aimeriez sauver. Likez 1 pour Jessica Zino. Likez 2 pour Polémique. Les votes se termineront demain soir à minuit. On dirait que cette élimination a donné un regain de détermination auprès des deux femmes qui ne sont pas prêtes de s'arrêter de danser. Après plus de 5 heures de danse constante, c'est finalement Aude qui s'avouera vaincue. C'est donc Lauren Westchester qui pourra partir en date de rêve avec le magnifique Apollon. Lorsque les femmes quittèrent l'arène, le soleil s'était déjà couché sur la Villa de l'Amour et tout le monde était déjà endormi dans leur lit douillet. Et oui, la production est partenaire de la compagnie de matelas Marie Couchoala. Ils ont développé une nouvelle technologie baiser qui rend leurs produits d'un confort incommensurable. Grâce à notre émission, vous bénéficiez de 10% sur toute leur literie sur mariecouchoala.com avec le code PIGEON10. L'offre est une durée limitée qui s'arrêtera dimanche à minuit. C'est Hippolyte qui se réveillera le premier et décidera de préparer le petit déjeuner au reste de la villa pour s'excuser de son mauvais tempérament de la veille. Bien évidemment, un petit déjeuner des moins healthy, on parle bien d'Hippolyte. C'est Jessica qui la rejoindra la première. Malheureusement, une tension s'est installée entre les deux depuis l'altercation avec Pierre hier. Ils essayent de briser la glace, sans grand succès, et seront vite rejoints par les autres. Malheureusement, c'est le déluge à l'extérieur. Tous sont priés de rester dans la villa jusqu'à ce que cela se calme. Il faudra prendre son mal en patience. Jessica proposera une partie de cartes à tout le monde, enfin, presque. Amère de la situation de la veille, elle ne préviendra pas Paul de cette activité. Œil pour œil, dent pour dent. Mais est-ce que la rookie ne se serait pas pris trop tard pour reprendre son destin en main? Car après tout, il est remis à vous. La pluie s'est un peu calmée et tout le monde s'est empressé de profiter du reste de la villa, notamment deux petits chauds lapins. Cela fait un long moment qu'Aude et Hippolyte ne se sont pas retrouvés seuls. D'ailleurs, la belle blonde est la dernière qui n'a pas encore pu goûter aux lèvres douces et sucrées d'Hippolyte le maire. Malheureusement, la pâtisserie est encore fermée pour Aude. Il faudra tenter une autre fois. La production a décidé de réouvrir le salon d'arcade en vue de la météo capricieuse de cette journée. Ne vous inquiétez pas, l'interweb est totalement coupé. Aucun candidat puisse aller voter pour eux-mêmes ou leurs petits camarades, ainsi de voir qui sont les favoris de cette saison. De toute manière, nos candidats préfèrent l'air frais et dès qu'il leur sera possible, iront profiter de la piscine. C'est plus tard dans la journée que Lauren ira se préparer pour son date et s'amusera à essayer diverses tenues, mais elle sera vite rejointe par son Apollon. Ouh là 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 là, non mais les deux ne sont pas encore en date, qu'ils se bécotent déjà dans le dressing. Ça va pas ou quoi? Il est temps de partir pour un date chaud chaud chaud, car la production a décidé de les emmener au festival des épices de la ville la plus proche. Alors, c'est vrai que ce n'est peut-être pas l'endroit le plus romantique, d'autant plus qu'aucun des deux ne supporte les épices. Les basic white bitch. Donc, on a eu peur des petits soucis intestinaux. Et c'est pas très romantique. Mais on dirait que la production a eu tort de se faire du souci. Regardez ces tourtereaux qui s'amusent comme des petits fous. Thank you.
Un date de rêve se passe de mots et en vue des regards que les deux se lancent, on peut penser que c'est un date parfait. Malheureusement pour les petits filous, la villa a appris de ses erreurs. À peine ont-ils posé les pieds sur le perron que les habitants sont venus les marteler de questions. D'ailleurs, n'oubliez pas notre code promo chez Marie Couche-Toi-Là. Vous avez 10% de réduction sur toutes les literies avec le code PIGEONDISTE jusqu'à dimanche minuit. Pour ce soir, pas de découchage. Tous regagnèrent leur lit respectif. L'étau se resserre sur la compétition et les jalousies s'intensifient. En même temps, nous sommes au milieu de la compétition et les places se valent cher pour la demi-finale. N'oubliez pas de voter pour sauver votre candidat favori dans mon commentaire épinglé. Likez 1 pour Jessie Casino et likez 2 pour sauver Polémique. Le soleil se lève pour la dernière fois de cet épisode sur la villa de la Mûre. Malgré qu'ils se soient couchés à des heures pas possibles, tout le monde se lève assez tôt. En effet, ils ont hâte du nouvel atelier de Emma, notre love coach. Mais tiens, elle n'est pas venue seule. Elle dira à la production qu'elle a eu un coup de cœur amical avec le bel Eric. Étant love coach, elle aurait bien besoin d'être épaulée par les bras forts d'un coach sportif. Les deux ayant ressenti les tensions dans la villa, ils ont décidé de faire sortir tout ce beau monde afin de prendre de l'air frais tout en faisant du sport. Mais chut, la destination est encore un mystère pour tous. Tout le monde est ravi de revoir Emma et plus particulièrement Eric. Cette journée commence sur de bonnes bases et la production assure qu'elle va se dérouler à merveille. Surprise! C'est au bowling que nos candidats passent leur journée. Au planning, sociabilisation autour d'un repas ou d'un verre, puis ensuite augmenter son cardio en jouant avec des grosses boules. Malheureusement, Eric et Emma, ayant préparé cette sortie sans mettre au courant la production, la petite troupe sera coupée en deux à l'heure du repas. Qui auront l'honneur de déjeuner avec Hippolyte? Oh là 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 là! Paul et Leury, ne soyez pas déçus, car vous allez pouvoir emmagasiner un maximum de conseils de notre love coach. Un avantage que les autres n'auront pas. Elle est pas bien faite, la vie! Cependant, une ambiance enjeuleuse règne à l'autre table. En même temps, c'est celle d'Eric. Comme on dit, loin des yeux, loin du cœur, et les blagues salaces fusent, ainsi que des regards qui ne trompent pas. Il y a de la drague dans l'air. Paul n'arrive pas à se faire à l'idée qu'Hippolyte n'est pas encore sien et décide d'aller lui passer une secouée. Oh là 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 là! Lui qui avait déjà déçu Hippolyte il y a deux jours, le voilà qui en arrive aux mains. J'espère que leur relation ne sera pas définitivement terminée après ce geste qu'Hippolyte et les téléspectateurs n'oublieront jamais. Eric décide de relancer l'ambiance en commandant des cocktails bien chargés, comme à son habitude. Grâce à l'alcool, les langues se délient. Paul et Hippolyte arrivent à s'expliquer et à se rabibocher au plus grand désarroi des autres candidats. Pour finir la soirée, tous sont partis faire une partie de bowling afin d'extérioriser leur frustration en balançant des grosses boules sur des longues quilles. Ça fait du bien! La soirée fut un succès, tous regagnèrent la villa apaisée. Ou... plein de pisse? Non mais ça va pas! Vous savez qu'il y a des toilettes au bowling? Non mais ça je reconnais. Ça je reconnais. On est dans un stade de l'émission où les candidats veulent tellement rester avec Hippolyte afin que les autres candidats ne puissent pas lui parler qu'ils renient même leur vessie. Je vous rappelle que l'émission ne prend pas en compte vos frais médicaux, donc faites attention à vos reins. Pardon, je m'égare. Tous allèrent se coucher pensifs de qui va être sélectionné pour participer aux demi-finales. Oh là 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 là! Vos votes comptent plus que jamais. Qui aimeriez-vous voir intégrer la demi-finale de notre émission auprès de Lauren Vanchester et Ojavel? Allez sauver votre candidat favori dans mon commentaire épinglé. Likez 1 pour Jessie Casino ou likez 2 pour Polémique.
Les votes se termineront dimanche soir à partir de minuit. La production a chaud au cœur de vous voir apprécier cette saison car nous y mettons tout notre cœur chaque année pour nous surpasser. Nous avons de la peine à croire que c'est déjà presque la fin de cette troisième saison. On dirait qu'elle passe de plus en plus vite. Il faut sachez que, bien sûr que oui, la prochaine édition est déjà en cours de réflexion. Donc n'hésitez pas à faire vos retours en commentaire pour que nous puissions nous améliorer. Mais peut-être que elle se passera en hiver. Sur ce, nous vous souhaitons un bon week-end et on se retrouve samedi prochain à 17h pour le prochain épisode. A plus les gus.